Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour nous, c'est le moment de la rentrée. On a en test le Performance de chez Adris. Alors Adris, vous connaissez peut-être pas, c'est une boîte française, une boîte bretonne, créée en 2009 et qui est gérée par deux frangins passionnés de vélo qui sont Adrien et Romain Duo. Donc c'est un vélo carbone, bien entendu, équipé du iRace 9002 avec 12 vitesses, taillé pour la performance, comme son nom, polyvalent, normalement sur le plat. Sur les cols, je l'ai testé depuis à peu près 800 km, donc c'est le moment de vous en parler. Pour le moment, on va au col de la Grande Limite, donc on va avoir un petit peu de plat et une belle montée qui est empruntée par les coureurs des Boucles de la Drôme. Allez, on y va. Le col en direction de la Grande Limite, là c'est pas pareil, hein. Vous voyez là, ça commence à un peu piquer, mais le vélo répond, mais c'est énorme, ça arrive. Allez, continue. Attaquer la descente. Je vous cache pas qu'il faut vraiment être un petit peu en canne quand même pour l'emmener parce que c'est du carbone, c'est vraiment un vélo taillé pour la performance et si tu commences un petit peu à piocher, il te fait pas de cadeau, ça renvoie plus rien. Par contre, si tu as des cannes, ça envoie du très très lourd. Tu arrives à monter 22-23 km/h sans aucun problème. Mais c'est un pur régal ce vélo. J'attends de voir ce qu'il va donner avec les freins à disque dans la descente avec les pneus Victoria et on a du Maverick aussi en haut. Allez, on monte. La descente c'est fait. Le coursier c'est une lame de rasoir dans les trajectoires. Avec son poste de pilotage monobloc, c'est très très impressionnant. Bon, et maintenant qu'on est au chaud, qu'on est rentré, c'est le moment de vous donner un petit peu les notes et ce qu'on a pensé de ce Performance Dura Ace DI2. Bon, et pour commencer, on va pas se mentir, c'est un vélo qui est taillé pour la compétition et c'est pas un vélo pour la reprise. Donc vous avez intérêt d'avoir des watts pour pouvoir l'emmener. Au niveau look, j'ai adoré les courbes, surtout les reflets couleurs sur ce cadre qui est simplement magnifique. En roulant dessus chaque jour, c'est des découvertes que vous trouvez au niveau de la taille du cadre. Au niveau technologie, on est au top avec le groupe Shimano R9002. Donc 12 vitesses avec transmission hyper rapide. Moi, c'était la première fois que je l'essayais. Ben, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre possible. C'est vraiment actuellement la transmission la plus rapide. Frein à disque, bien entendu, pour vraiment prendre les courbes au plus près et puis être très, très, très efficace. Tige de sel d'Ombero de chez Adris. La selle Italia pour le design. On se retrouve avec le cintre aéro Adris, donc tout en monobloc, très très performant, un peu étroit au niveau du pilotage pour la prise en main, mais vraiment vraiment très très performant, très très précis. Sur les pneus, nous sommes avec du Victoria Corsa Graphène, le GD.0, c'est du tubeless, donc pour ceux qui ont déjà du tubeless, vous savez que voilà, c'est le petit inconvénient, il faut souvent regonfler avant de sortir. Le vélo, vous allez le recevoir dans un carton très très bien emballé, très très bien protégé et bien avancé au niveau du montage. Vous n'aurez plus que la roue avant à fixer, brancher les câbles sous la tige de sel pour le groupe et puis surtout bien serrer la tige de sel, pas faire comme moi la première fois où je me suis retrouvé avec un écart de 10 cm à la fin de ma sortie et puis bien entendu fixer les cocottes. Allez, les plus du Performance, le look, une peinture, une super finition. La technologie mis dessus. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est peut-être prendre en main avant vraiment de se lâcher. Peut-être le prix, mais par contre, en rapport qualité-prix avec l'équipement et la finition qu'il y a dessus, voilà, ça fait 9000, mais ça les vaut largement. Donc au final, on obtient la note de 4 étoiles sur 5. Allez, j'espère que ce test vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres présentations, d'autres produits et puis d'autres aventures.